Pauline Van Landegem, bravo. Vous venez de remporter le Master Pro 1 avec Liaison. Alors racontez-nous un petit peu d'abord comment s'est passé ce championnat, c'est-à-dire les deux reprises hier et aujourd'hui. Les deux reprises se sont bien passées, vu que je gagne les deux épreuves. Le cheval était très bien, je suis très contente de lui, très décontracté, très avec moi. Il n'a pas la réputation, si je ne me trompe, d'être un cheval complètement facile. Oui, il peut être un peu délicat, oui. Il n'est pas très rassuré quand il est tout seul, ce cheval. Du coup, quand il se retrouve en piste seul, parfois, il peut un peu stresser et du coup, pas être forcément avec son cavalier. Et là, je suis très contente parce que justement, sur les deux reprises, il était vraiment avec moi et très concentré sur moi. Alors on le voit d'après votre tenue, vous êtes donc un membre de l'élite du cadre noir de Saumur. Quelle est votre fonction dans cette institution ? Alors je suis écuyer instructeur, c'est-à-dire que donc je suis écuyer du cadre noir, mais je suis aussi instructeur de l'école nationale d'équitation, donc j'ai des élèves à former, des élèves qui viennent tout au long de l'année. Depuis quand avez-vous rejoint le cadre noir ? Je suis arrivée en fin 2006. Et depuis quand montez-vous Liaison ? Liaison, je le monte depuis 2010. Je veux dire, est-ce que pour vous, c'est un titre de championne de France ? Est-ce que ça représente vraiment quelque chose ? Et est-ce que ça a d'autant plus de puissance ou d'impact que vous êtes au cadre noir ? Oui, c'est un titre, mais c'est aussi une belle récompense d'un travail d'équipe, parce que Liaison était montée auparavant par Fabien Godel, qui l'a dressé. Qui me l'a confié ensuite et on continue de travailler avec Fabien. C'est vraiment lui qui me fait travailler Liaison, donc c'est une belle récompense d'un travail d'équipe. Est-ce que vous montez d'autres chevaux en compétition ? Non, je n'en ai pas actuellement. Les projets avec Liaison, c'est de faire Grand Prix l'année prochaine, de faire ce championnat en élite. À moyen terme, ensuite, on verra ce qu'il veut bien faire. Un petit mot sur la gente féminine au cadre noir. Combien êtes-vous ? Nous sommes trois femmes écuyers sur une quarantaine d'écuyers. Un petit message aux jeunes filles qui vous regardent et qui rêvent de rejoindre cette institution ? Il faut beaucoup d'humilité, beaucoup de persévérance et l'amour du cheval. Mais il nous reste à vous féliciter une nouvelle fois pour cette splendide reprise. Et puis on vous souhaite évidemment tous les succès avec Liaison et avec d'autres chevaux. Merci beaucoup. Merci à vous.